Salut mes petits laporos, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. On va faire l'écriture. On va découvrir une nouvelle lettre. On va découvrir la lettre. Regardez bien. C'est quel animal? C'est quel animal? Bravo, c'est le zèbre. Répétez. Zèbre. Le mot zèbre, ça commence par quelle lettre? Oui? Bravo, il commence par la lettre Z. Le mot zèbre commence par la lettre Z. Bravo. Donc aujourd'hui, la lettre qu'on va faire, c'est la lettre Z. Bravo. Pour écrire la lettre Z, on trace un trait horizontal, après un trait oblique et un trait horizontal. Bravo. Un trait horizontal, oblique, horizontal. C'est la lettre Z. Bravo. Horizontal, oblique, horizontal. C'est la lettre Z. Maintenant, on va passer on va faire deux activités pour bien maîtriser la lettre Z. La première activité qu'on va faire, c'est, on l'a déjà fait l'autre fois, on va prendre une feuille blanche et une chemise plastique. Premièrement, on écrit la lettre Z, un trait horizontal, oblique, horizontal. C'est la lettre Z. Bravo. On met la feuille blanche dans la chemise plastique. Maintenant, on va repasser sur la lettre Z. Bravo, on repasse. Horizontal, oblique, horizontal. On peut effacer et refaire la même chose. Horizontal, oblique et horizontal. Vous pouvez effacer et refaire la même chose plusieurs fois à la maison, bien sûr, à l'aide de vos parents. Maintenant, on va passer aux deuxièmes activités. On va reproduire la lettre Z avec la pâte à modeler. Cette pâte à modeler, elle est de quelle couleur? Très bien, elle est rouge. Donc, on va reproduire la lettre Z, ou bien on va écrire la lettre Z en pâte à modeler. Un trait horizontal, après un trait oblique. Un trait horizontal. Bravo, c'est la lettre Z. Vous pouvez faire la même chose à la maison pour bien maîtriser l'écriture de la lettre Z. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir à la prochaine, Inch'Allah.